Anto, c'est quoi le. Enfin, comment s'est passée la semaine déjà? Parce que ces conditions météo sont particulières pour préparer un match. Ouais, non, ça a été bien jusqu'à hier, je dirais. Voilà, aujourd'hui, c'était un peu particulier. Donc, on en a profité pour travailler les coups de pied arrêtés, faire ce qu'on pouvait sur le milieu de terrain qu'on a pu avoir. Mais non, voilà, c'était une bonne semaine. À part ça, à part aujourd'hui, malheureusement, dû aux conditions, on a bien travaillé, on a bien bossé. Voilà, c'est un match à gagner, c'est un match à passer. Et on va tout faire pour. C'est un match important par rapport aux deux autres qui vont suivre en championnat. Il y a Bordeaux mardi, il y a Bastia samedi prochain. Là, c'est le PFC, mais c'est la Coupe de France. Comment vous préparez, enfin, comment vous envisagez ce match? Bah, avec la même envie qu'en championnat. Je pense que la Coupe, ça reste un objectif important. Voilà, c'est, comme je l'ai dit, c'est un match à jouer. Ça nous permettrait de se qualifier pour les huitièmes. Donc, ça serait déjà un beau parcours. Donc voilà, je pense que le plus important, c'est aussi pour le mental, essayer de gagner ce match pour mentalement aller à Bordeaux avec une envie supplémentaire. Et voilà, une victoire en plus pour essayer d'arriver à Bordeaux plein de confiance et prêt pour le prochain match de championnat. Ça peut être un déclic, clairement, tu disais, ça Ouais, ça peut être commence. un déclic, puisque là on joue une équipe aussi qui fait partie de notre championnat. Donc ça peut nous booster pour la suite. Et espérons que de ce match-là, s'il y a la qualif au bout, ça nous fera du bonus pour, comme je l'ai dit, mentalement, être prêt pour entamer une grosse deuxième partie de saison. Malheureusement, on a perdu le premier match la semaine dernière. Mais ce n'est pas une fin en soi. Voilà, on va continuer à bosser et progresser sur les aspects qu'on doit encore progresser. Et ça fait partie du métier. Je pense qu'apprendre tous les jours, c'est important. Maintenant, je pense que chaque joueur est investi plus que jamais. Donc voilà, espérons que cet investissement nous portera ses fruits sur l'avenir.